Bonjour, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. On va réaliser un gâteau à la mousse framboise. Ce gâteau va se faire en plusieurs étapes. On démarre tout de suite avec la première étape, la préparation du coulis de framboise. Pour les ingrédients, on aura besoin de 50 g de sucre et 300 g de framboise. On commence par verser les framboises dans une casserole. Puis on va faire chauffer à feu doux les framboises pour obtenir le coulis de framboise. Donc on le fait chauffer tout doucement tout en mélangeant avec une cuillère en bois. Au bout de 2-3 minutes, on va ajouter le sucre en poudre. Et on continue à bien mélanger toujours à feu doux. Au bout de 5 minutes environ, vous devez obtenir votre coulis de framboise. Une fois la casserole retirée du feu, on va avoir besoin d'un petit bol et d'un petit tamis pour filtrer le coulis. À l'aide d'une cuillère à café, je mélange tout doucement pour pouvoir retirer les grains. Comme vous pouvez le voir, dans votre bol, il doit rester que le coulis. C'est ça qu'on a besoin pour la suite de la recette. Et là, je continue avec le restant jusqu'à obtenir la totalité de notre coulis. Et là, il est exactement parfait. Il n'y a plus aucun grain. Regardez bien. Et là, on va le laisser refroidir environ 30 minutes minimum. Le temps qu'il refroidisse, on va préparer un petit saladier d'eau froide et on va mettre 4 feuilles de gélatine. Le temps que la gélatine ramollisse, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne pour louper aucune de mes vidéos. Une fois la gélatine bien ramollie, on va pouvoir l'intégrer à notre coulis de framboise. Et là, on va venir le mélanger délicatement. À ce stade, notre coulis de framboise est fini. On va passer à l'étape suivante, la recette de la génoise. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la recette de la génoise, je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut. Une fois que vous avez préparé votre génoise, on va l'imbiber un peu avec du sirop. Donc vous prenez de l'eau avec du sucre que vous faites chauffer et on imbibe un petit peu le biscuit. Et là, on va passer à l'étape suivante, la préparation de la mousse framboise. On commence par les ingrédients. On aura besoin de 50 cl de crème semi-épaisse et 25 g de sucre. Si vous souhaitez, vous pouvez également choisir d'utiliser de la crème liquide. Ça fonctionnera également. Moi, je vais utiliser un robot pâtissier, mais vous pouvez aussi monter votre crème directement avec un fouet électrique si vous en avez un. Donc on la monte en vitesse rapide. Au bout de 3 minutes, on vient ajouter le sucre en poudre. Et on continue à monter notre crème. Une fois la crème montée en chantilly, on vient ajouter le coulis de framboise. A l'aide de la marie, je viens récupérer le coulis qui se trouve au fond. Et on le remonte comme ceci, tout doucement. Et vous devez obtenir une crème bien rose. Et là, on va passer à l'étape suivante. Le montage de notre gâteau mousse framboise. On commence par remplir notre cercle. Et à l'aide d'une marise, on va étaler délicatement notre mousse. Vous pouvez intégrer quelques framboises si vous souhaitez. Une fois notre crème mousse framboise bien étalée, on va venir chasser les bulles d'air à l'intérieur. Il suffit de le secouer légèrement comme ceci. Et là, notre entremets mousse framboise est prêt. Il est impeccable. Donc là, on va le passer directement au congèle pendant 4 heures minimum. Personnellement, je l'ai laissé 24 heures. Donc là, on va passer au démoulage. Donc n'hésitez pas à chauffer un petit peu les bords si vous voyez qu'il accroche. Et là, maintenant, on va passer à la décoration. Donc la décoration, bah, c'est selon votre goût. Moi, j'ai fait une petite déco. Je vais vous montrer. Et après, bah, c'est par rapport à votre choix, par rapport à votre goût. Personnellement, j'ai rajouté quelques framboises par-dessus.
quelques petites feuilles de menthe en plus. Et on restera juste une heure ou deux à attendre qu'il décongèle un petit peu avant de pouvoir le déguster. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Salut, salut !